Donc voilà, nous sommes ici dans cette très jolie bibliothèque provinciale de La Louvière. Bonjour à tous, je suis ici à la Bibliothèque Provinciale de La Louvière où j'ai le plaisir d'animer un stage autour du concept pencil versus caméra, donc qui mélange photo et dessin. Donc je suis ici avec un groupe génial, hyper talentueux et hyper motivé où ils apprennent des techniques de dessin et des techniques de créativité pour venir apposer un dessin sur un environnement photographique. Et donc dans ce reportage, je vais vous montrer un petit peu leur réalisation, la manière dont nous avons travaillé. Lucas transformé en petit diablotin, à moins que ce ne soit déjà la réalité. Ici les stagiaires qui s'essayent à la technique pencil versus caméra en utilisant des objets du parc, et ils essayent d'apporter un souffle de créativité à ce parc qui est magnifique. Nous avons ici Daniel à côté de moi, dont j'ai réalisé le portrait, et on va faire une petite mise en scène avec son portrait. Et Daniel est très comique, comme vous le voyez. Alors nous avons ici Maria qui a réalisé un autoportrait et donc qui va le découper selon le procédé pencil versus caméra, et donc une partie de son corps va disparaître et devenir dessinée de manière poétique. Voilà Laurie et Lucie qui mettent en scène leur pencil versus caméra, donc ce sont des portraits hein, tous les deux, et on va voir ce que ça donne. Nous avons Lucille ici qui est en train de transformer son mari chéri en loup-garou. Un loup-garou sympathique quand même. Nous allons développer un petit peu le concept pencil versus caméra. Plutôt que d'en faire des photos, nous allons en faire des vidéos. Donc nous allons prendre des visages simplifiés d'animaux sympathiques que les talentueux stagiaires derrière moi vont créer. Et puis nous allons en faire des petites vidéos animées en apposant ce visage sur un corps plein de vie. Donc ici, l'idée va être de donner du mouvement et de la vie. It's you, yes, indeed. Yes, you holler, yes. One,
2, 3. Donc nous voici dans un des couloirs de la bibliothèque provinciale de la Louvière avec Roman qui s'essaye à un pencil versus caméra. Donc elle a dessiné la tête d'un grand panda qu'elle va placer devant la tête de la modèle Manoé pour un effet rigolo.